Bienvenue sur la chaîne de The Bullion Team Gaming, comme d'habitude c'est Mocha. Donc on est de retour pour une découverte sur un free-to-play, enfin d'un free-to-play, il s'agit d'Entropia Universe. Je vais essayer de vous en dire un peu plus au fur et à mesure. On va lancer le jeu. Donc pendant que je suis dans la création de personnages, comme vous pouvez voir, il y a vraiment de quoi faire. Bon là je peux plus y avoir accès, mais tout se déroule, tous les petits menus se déroulent, et vous avez au moins autant de presets, et vous pouvez personnaliser vous-même quelques aspects. C'est davantage pour certaines parties du corps ou du visage. Donc j'ai pris mon temps, j'ai fait un petit personnage tranquille, et là on va lancer le jeu. J'en connais très peu à son sujet. C'est une sorte de planète explorer avec un peu de PVP. Bon, c'est un MMO hein, déjà, il me semble l'avoir dit. En tout cas, c'est un free to play. Donc on va essayer ça de suite. Click start to the tutorial. Continue. On va continuer. On va faire le tutoriel. Justement, ça sera pas de trop. Enfin, ça ne sera pas de trop. Donc ça tourne sur CryEngine 2. W. Ouais. Ok, bah, c'est que c'est en QWERTY. Mais c'est bon, ça prend en compte quand même le. C'est cool. C'est assez joli, hein, comme vous pouvez voir. C'est très détaillé. C'est assez lisse. C'est bien, c'est joli en tout cas. Espace pour sauter. Q to K toggle run walp. Ok. Pour marcher, il faut rester appuyé sur A pour nous. Donc double-clic left mouse out of the ground to move location. Ah, d'accord, on peut se diriger à l'ancienne comme ça. Ok, pour l'instant ça va. Et Sleepyhead, your name is Mocha Beam, Mocha Blue Beam, correct. Ouais, c'est tout était pris, j'ai pris ça comme je pouvais. Ready, click, Dr. Zimmerman. Ouais, apparemment on a un truc à faire par rapport à la vue, hein, j'imagine. Regarde si tout se passe bien. Petite visite médicale. Click and hold middle mouse button while dragging to rotate camera. Ah non, d'accord, pour zoomer tout simplement. Oui, ok. D'accord, jusqu'ici tout va bien, hein. C'est classique. C'est assez fluide, franchement. Bon, là la caméra est passée un peu à travers le décor. C'est quand même assez joli, assez bien foutu. Ouais, il me repart, du coup ça recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, faut que je fasse un tour complet, non? En zoomant. Click and hold middle mouse button while dragging to rotate camera. Ah ouais, pour faire un demi-tour, voilà. Ok. Oui, on a donc la molette qu'en appuyant dessus, on fait un 360. Voilà. C'est bon, je l'ai fait. C'est bien ça. J'ai un petit peu du mal. Alors. Voilà, c'est bon, si ça passe à autre chose. Use mouse well to zoom. Mousewell to zoom as much possible. Ouais, ok, jusque la vue FPS. D'accord. C'est fait, hein, voilà. Alt to key enter aim mode. Ok. En mode FPS pour pouvoir. Oups, ah ouais, ça interagit avec Shadowplay. Ok, on va faire attention au niveau de ça. Donc. Voilà, c'est bon. Tutoriel terminé. Ça a été rapide. On va passer au chat tutoriel. Ok, press enter. Ok. And read ABC. Faut écrire ça apparemment. C'est parti. C'est fait. Donc ça télécharge encore. Malgré que le jeu, j'ai déjà téléchargé 6 Go pour pouvoir y jouer, pardon. Bon, bah on verra bien. Donc c'est cool, déjà vu FPS, on peut voir d'un peu plus près. Bon, il y a que les cheveux là. C'est pas la meilleure coupe, il y en a plusieurs en stock, on va dire, au moins une dizaine. C'est pas la plus réussie. Il y en a où c'est quand même beaucoup plus fin, quoi. De toute façon, on va voir ça là, apparemment, il y a d'autres PNJ. Je suppose, de toute façon, qu'on doit leur parler, vu que lui, il a plus rien à nous dire.
apparemment du moins. Alors, pour parler avec la personne, comment on fait? On clique dessus. Operate. Tell me about Calypso. Et pourquoi pas. Ouais, c'est la première planète qui a été colonisée par les humains. Parce qu'ils font la terraformation. Enfin, c'est un jeu de construction, de sandbox, avec un peu de PVP. Enfin, vraiment, j'en sais vraiment très très peu. C'est vraiment dans les grandes lignes, ce que je suis en train de vous dire. On verra bien, on va essayer de décorer ça, comme je dis. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que là, tout est en anglais. J'ai pas envie de passer 3 heures à tout traduire. On va jeter un petit coup d'œil par-ci, par-là. Bizarrement, il y a encore un téléchargement. Ce qu'on peut voir en haut à gauche, là. Bon, on va se balader en attendant. Ça a l'air assez vaste, en tout cas, pour l'instant. Donc, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut cliquer dessus. Ah, on peut pas y aller. C'est restreint, accès restreint. On n'a pas le droit d'y aller. Elle nous le répète. Ok, ok, on a compris. Le son est super fort. Je vais baisser ça là rapidement. Avant que ça soit trop gênant. Avant que ce soit trop tard surtout. Je pense que là, ça doit être un petit peu mieux. Donc, j'ai pas vu d'option de pré-réglage graphique ni rien. Le jeu est tel quel, j'ai rien touché. Bon, ça me paraît correct, hein, en tout cas pour l'instant. Faut voir après ce que cela donne en extérieur. Mais sinon, bon bah, il y a peut-être un petit peu la texture de la peau qui fait un petit peu cartoon, mais bon, c'est pas plus mal au pire. Pourquoi pas? Ça fait un petit peu comme Planet Explorer, hein, de toute façon, plus ou moins. Ce que j'ai pu en voir en termes de vidéos et du reste. Donc, Freelancer. Ça j'ai oublié, ouais, c'est Alt, tout simplement. Ok, je l'ai carrément loqué. Show statue bar. Je peux le suivre. Alors là, j'ai rien à faire, ça le fait tout seul, mais j'aimerais pas le suivre comme ça tout le temps. C'est bon, j'aimerais reprendre voilà, le contrôle de mon personnage quand même. Ouais, ça peut être pas mal ça pour des quêtes qu'on a là, qu'il faut suivre quelqu'un. Ça en a un petit peu marre de marcher derrière lui. Bah, on le suit. Bon alors oui, du coup, moi je sais pas ce que j'ai à faire. Bah, y a un téléchargement, c'est pour ça aussi, c'est peut-être pour ça que c'est pas que je peux pas y aller. Ça serait pas mal ça serait bien trouvé. Mais bon, ça serait aussi un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre déjà. Enfin, ça aurait rattrapé le fait que qu'il faut encore télécharger quoi. Bon, voyons voir ce qu'il y a ici là. C'est quoi cette porte? Ouais, c'est un téléporteur pour une autre place. Bah ouais, on va y aller. Ah ouais, d'accord, on peut pas revenir ici. Bon, avant, je vais d'abord m'assurer qu'on a tout fait. D'accord, c'est bon, on a trouvé la sortie en fait. Le téléchargement, je pense que c'est pour autre chose. Sûrement pour des... C'est un peu comme dans... Pour le... Xbox Live et autres, enfin, ou même des jeux téléchargeables, on peut commencer à jouer au début, les premiers niveaux, quoi. Là, je pense qu'il y a une zone de départ, et donc d'être ça qui est disponible déjà, moi. Eh bien, bon, bah, c'est bizarre, du coup, qu'on est... Qu'il y a quand même un endroit qu'on peut pas y aller. Bon, ça nous laisse nous poser des questions. On voit que c'est une espèce de colonisateur, ce qu'on a pu voir. On va lui reparler à elle tout de même. Il y en a pas mal de trucs. Chasse, mine, construction, marché. Social, compétitif, belle play, ouais, le PVP. La gestion de mini-commerce, tout comme ça. Ok, bon bah ça fait beaucoup. Et toi?
Lui, on peut rien lui dire, lui. Il était pas là tout à l'heure. C'est pas des joueurs, de toute façon. Pleurbre, quoique. Vu le prénom qu'il a. Ah si! Apparemment, enfin, je sais pas, j'ai reçu un message, je crois. Ah si, c'est un joueur. Ouais. Franchise. Bon, on va leur parler à lui. Oido, hein. Non, thank you, more info, ok. Bon, je pense qu'il faut se barrer. Hein. Ouais, c'est pas mal qu'il... Est-ce que moi aussi j'apparais comme ça aussi, donc, malgré que j'ai fait mon personnage? Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils nous demandaient, qu'on était pour vérifier, qu'on gardait définitivement notre personnage. Ici. Mais c'est vraiment bizarre qu'on puisse pas aller là, quoi. Mais voilà, on s'en fout, on y va. Parce que j'aime bien un petit peu tout savoir, moi. Tout ce qu'il y a du moins possible. Alors donc ça, c'est quoi? Attendez, c'est que je peux le faire partout ça en fait. Ok ouais, ça n'a rien à voir avec la tablette. Donc c'est maintenant on va pouvoir voir niveau des graphismes tout ça, mais ouais. C'est en height apparemment, automatique. Et en 1080. Bon ça n'a pas l'air gourmand pour l'instant, on verra ce que ça donne à l'extérieur comme je disais. C'est joli, il se tourne bien pour l'instant. Donc ouais ça y a rien à en faire. Allez hop, on se casse. Mais j'ai l'impression qu'on est... Je sais pas, on verra bien comment on est, mais bon. Je sais pas, on n'a pas stuffé quoi. Regardez quand je recommencerai. Hein. Je ferai un autre personnage, mais ça m'embêterait d'avoir loupé un truc. Je pense que le tutoriel est passé. J'en suis pas vraiment sûr. Hein. Apparemment c'est bon, c'est en train de télécharger. Ok. Et là maintenant on est ici. À l'extérieur de ce qu'on a vu déjà, on peut regarder c'est quoi ce truc. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Bon, apparemment on pourra servir de ce genre de choses, mais là c'est pas le cas et j'ai fait bégayer l'impression. On va s'enlever ça, voilà. Qu'est-ce que tu nous racontais toi? On peut pas interagir avec lui je crois. Follow, ignore avatar. Ah c'est que c'est quelqu'un aussi. Eh oui. Mais il y a quand même du monde donc. Moi qui pensais que c'était un petit peu désert. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de savoir ce que donne le jeu. Bon, elle. Je vais faire comme lui. Hein. Je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais on va faire pareil. Transfer center. Map. Ped. Follow center, position, start chat, support center, time. Oh, il y en a un paquet de trucs là, c'est... Donc, on regarde déjà si on peut savoir où on est. Non. Moi, je pense que c'est ça. Ou main option menu, mais on l'a fait tout à l'heure, non, ça sert à rien. Donc, c'est bien ça. Transfer center option, please choose a service you wish to use from the option listed below. Deposit, withdraw, transact history. Bah, nous, on s'en fout, on va rien faire. J'ai rien à déposer, j'ai rien à prendre et j'ai aucune transaction à faire. Du moins je ne crois pas. Au moins que ce soit une quête qu'on ait, mais j'ai pas l'impression qu'on ait de trucs. Pas mal de choses là. Va falloir que je m'y retrouve. Donc ce gars il a disparu lui par contre. Moi je suis resté ici. Ouais, non. Ouais, il faut plus regarder en fait un peu plus autour de soi, tout simplement. Voilà. En fait c'était une zone de. Je sais pas de... comment on peut dire ça... d'attente. Déposer, etc. Certains trucs avant de repartir dans un nouveau monde. C'est une planète mais assez vaste apparemment. Donc là c'est le monde glacial. Ou des grottes, pardon. La gorge enrouée. Bon alors... il n'y a pas 15 000 trucs à faire j'imagine. On doit lui parler. Première quête. You need a way to defend yourself, you are going to say, I guess I do.
J'ai besoin d'une leçon. Allez, hop, ah, on a un gun. Et un chargeur. First, open your inventory. Weapon. Équipe. Vous équipez donc. Hop, on l'a en main, j'imagine. IC. Press E to left click. Press E to attack. Ah, c'est E. Ok. Ok. On a des cibles d'entraînement à détruire. Donc c'est avec E. Bon, ça va, ça gère, c'est pas trop mal. Avec les... Je pense un petit peu à Borderlands ou même... un peu plus d'ailleurs, c'est la défense, parce que comme je joue plus... Avec les dégâts qui s'affichent. Donc ouais, là-dessus ça va, pour l'instant. Cool. Merde, je confonds, j'ai voulu lui parler. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Est-ce que ça charge? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai plus rien à dire? Tiens. Yoshua qui fait... Je sais pas trop. Bon, c'est que c'est en anglais. Et... Ah, voilà, tout simplement c'est écrit sur le HUD. Exit. D'ailleurs, ça c'est quoi? Ah, c'est notre cadeau en fait, ok. On a eu un pistolet. Des chargeurs, c'est bien ça. Voyons voir. Bizarrement, je sais pas, une fenêtre, peut-être plus ou moins la même chose. Est-ce qu'on peut courir? Est-ce que j'ai mon personnage aussi? Bah, c'est bon, c'est lui. Quoique, je reconnais à peine, mais ouais, c'est ça. Donc ouais, il y a des véhicules, on peut en crafter, en conduire aussi, bien sûr. Bah, de toute façon, s'ils sont là, c'est pas pour les regarder. Ah bah d'ailleurs, il y en a un ici. Un petit, un autre gros, mais... Ça, j'imagine que c'est du décor. Est-ce qu'on peut y rentrer? Je me trompe à chaque fois, il va falloir que je m'habitue. Eux, c'est pour attaquer. Ah ouais, on peut réparer. Peut-être une mission d'ailleurs. Je sais pas trop ce qu'elle me veut, mais apparemment, elle n'avait plus rien à me demander pour l'instant. On va aller voir ici. Il faut qu'on se casse là, apparemment. Use. Use currently item. Voilà, on va essayer ça, mais... Non, allez, ok, c'est pas plus intelligent que ce que je fais. En fait, là, j'ai utilisé mon pistolet sur le... On voit l'impact, c'est pas mal, ça, enfin, je crois. Bon. On peut voir le look des véhicules, ça, là. Peut-être pas trop mal, on peut monter à deux, apparemment, un qui conduit et un autre qui tire en haut. Enfin, là, il n'y a pas de... Pas d'armes, mais... C'est l'impression que j'en ai. Alors, voilà. On va bien voir où on va atterrir. Bon, apparemment, c'est la glace ou... C'est une planète minière quoi. En tout cas du moins le biome. Mission tracker. There, mission tracker, you write it can track 5 méchants. Ok, next. Ok, c'est pour dire que mission a commencé. Et que c'est on peut être j'imagine, une petite mission hebdomadaire, des chasses et tout. J'ai vu qu'il y a pas mal un petit peu. Planet Explorer, il y a pas mal de créatures. D'ailleurs, je crois qu'on en entend une. Est-ce que c'est un truc qui vole, c'est quoi? En tout cas, là, il y a quelqu'un, on va lui parler rapidement. Greeting colonist, I am Master Yoshida, the chief officer of this base. Norwegian Star Alphen Station. I have some work for you. Ben, c'est bon, on a du boulot pour nous. C'est l'officier en chef de la station Alpha Genesis. We are a passenger that colonies vessel that was destroyed. Apparemment il y a eu un vaisseau cargo, un truc comme ça qui a été détruit. Il y a donc des trucs à transporter ou peut-être à récupérer, on verra bien. On s'en fout, on dit oui, on verra ça. Ok, on est prêt. À jouer des créatures derrière au loin déjà, l'espèce de dinosaure là, caché derrière l'icône. Pas mal. On va aller voir ça de plus près après. Let it on me, ouais, je vois pas trop c'est quoi ça.
On verra bien. Quelqu'un allait voir ça, j'imagine. Jimmy de la maintenance. Voilà, qui est là-bas. Ok, c'est cool. Donc c'est quand même bien clair, au moins ça c'est cool, même si on ne comprend pas tout. On comprend au moins ce qu'il y a à faire dans les grandes lignes. Hello dude, I'm sort of busy here, you don't know anything? Ok, c'est Yoshida qui m'a envoyé vous dire, vous parler, pardon. Il y a un truc à faire. What? Un peu plus de précision, au pire. Un câble cassé, une antenne cassée. Des trucs cassés, quoi. Ok. Bon, ok. Et c'est entre par là, parce qu'on peut activer la caisse, ou c'est déjà fait. C'est fait. Ok. C'est cool. On va essayer de prendre... Je sais pas, je vais regarder un peu ce que ça donne. C'est quoi ce truc-là, déjà, là? Enfin, un truc est partout, là. Phase de découverte. Donc, est-ce qu'on peut interagir avec toi? Operate. Ouais, le menu est là, mais on peut pas encore vraiment faire quelque chose avec. On trace. Bon, apparemment, on peut pas sprinter. Hein. On trottine, quoi. Bah, c'est déjà ça. J'espère qu'il y aura une monture. Bah, il y a des véhicules. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on peut voir rapidement la faune. C'est joli, ça va. Les animations sont nickel. Pour l'instant, il n'y a que du positif. Est-ce qu'il faut les buter? Peut-être connectivity. Pas l'impression pour l'instant. Find ce problème. Déjà, je vois pas du tout au bon endroit. Mais ils sont quand même en rouge. On verra ça après. Que j'avais vu aussi, il y a quand même pas mal de terrain à explorer. Hein. Si j'ai bien lu, c'est 15 000 km², mais est-ce que j'ai bien fait attention? C'est juste 1500, mais il me semble que c'était 15 000, hein. C'est pour ça que ça m'avait paru assez gros. Ok, le câble est coupé et il est sectionné. Il y a des champignons à côté, c'est apparemment c'est des cailloux. Je pense pas qu'en tirant dessus, ça va faire quelque chose de bon, mais je pense qu'il va aller voir je ne sais plus trop qui, Jimmy, là, le technicien, voilà, tout simplement. Bon vieux Jimmy. Maintenant, c'est quoi le problème? Va s'en charger. C'est ça. Et on gagne un niveau. Elle n'est pas belle la vie. Ok, apparemment faut buter les Exaros là, il me semble c'est ce qu'on a vu là. Ça me semble être le nom de l'animal, donc ouais, c'est bien ça. Parce que j'avais pas vraiment fait attention tout à l'heure, j'ai regardé sans regarder leur nom. On va se remettre en vue FPS. Et on est parti quoi. Allez hop. C'est de mettre des hitshots, mais c'est pas évident, enfin. Quoique. Faut tirer ses pieds quoi, presque. Ok, là j'ai appuyé sur E, il s'est dirigé tout seul et s'avance. Ok, quand même, c'est quand même assez. C'est pas vraiment FPS qu'on va dire, mais c'est quand même assez. Comment dire, c'est quand même assez proche d'un FPS, mais on ne l'est pas totalement. Sans parler du fait qu'il faut appuyer sur E, mais ça c'est pas vraiment un problème. On s'habitue vite. Donc j'ai pas trouvé le moyen de... Ah, quoique. Loot. Voilà. On a gagné 100 shrapnel. Alors j'imagine que ces shrapnel c'est peut-être des munitions ou peut-être la monnaie du jeu, mais... On verra ça. Ah, j'ai fait un clic droit, ça l'a récupéré directement, ça va beaucoup plus vite. Je le fais sans faire attention, mais apparemment c'est ça. Bon, c'est du mémoire, ouais, c'est pas très dynamique. Surtout qu'on est au tout début là. Puis heureusement d'ailleurs, parce que... Elle galope vite, quand même.
pas le temps de leur enlever la moitié de la vie qu'elles sont déjà à proximité de mon personnage. Ah, et la tourelle automatique. C'est pas bête ça. J'essaie de la ramener le plus possible ici. Ah ben quoi que ça sert à rien parce que du coup, je vais pas prendre en XP. Donc on va quand même essayer de... prendre de l'expérience. Bon, je pense que là, le premier épisode, on va pas aller très loin. Je vais compléter cette quête-là, en faire peut-être une ou deux. Ça, histoire que ça soit assez court. Présentation, découverte. Et on essaiera de poursuivre un peu plus dans la longueur. Par la suite. On verra ça. Ah, je pense qu'on peut la retourner voir Jimmy, apparemment. Bon, elles nous font pas de dégâts, j'ai l'impression. Je vais en profiter pour essayer de gagner un niveau. Tiens, pourquoi pas, mais bon, on va pas s'éterniser. J'ai l'impression que ça repop. Un dernier, et on va aller voir Jimmy. Tiens, dans le derrière, ah, c'est... elle nous a mis un coup. Elle nous a enlevé un peu de vie. Donc si j'ai bien compris, je récupère les trucs là. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. On peut voir la fenêtre qui s'est ouverte. Donc je pense que c'est automatique. Hein. Ça s'est disparu, ouais. J'imagine. C'est l'équivalent de tout prendre. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on triera plus tard ce qui est bon ou pas à prendre. Donc on va aller voir Jimmy, on va lui dire qu'on a fait un peu de ménage. Yes. Et encore un level. Maintenant la débatterie est replacée. Donc j'imagine que c'est pour partir un petit peu à l'aventure. Il y en a une à peu près 100 mètres. On va y aller. On va s'en faire un sur la route. Parce que j'ai cru avoir gagné une nouvelle arme, mais j'en suis pas sûr. Ah, je commence à faire plus de dégâts. On a fait un double. En termes de dégâts à peu près. On va retenter là, voir. Ouais, c'est bon, on commence à prendre un peu plus de points en termes de maniement des armes à laser. Ça c'est cool. Donc est-ce que ça se met directement dans notre inventaire? Testons. Ouais, aucune différence. C'est mince. Donc... qu'est-ce qu'on a sur nous pour l'instant? Qu'est-ce que c'est que ça? Poignée. Peut-être un truc pour ramasser le minerai, un truc comme ça. Ouais. J'imagine que c'est un outil de craft. Un os, de la peau. Ah, les shrapnel. Ok, c'est du shrapnel. 684 déjà, ouais, je pense pas que ce soit la monnaie. Hein. Peut-être que ça permet d'avoir de la monnaie, ou peut-être que c'est une forme de ressource, on verra ça. Pour l'instant, je connais pas grand-chose, mais je peux voir que ça va. Et ça a l'air d'être assez large en termes de... c'est déjà, ça, on a limité le début, hein, c'est un petit peu exprès pour qu'on déverrouille des slots et autres. Là, ça a l'air quand même assez conséquent dès le début, sans avoir... acheter des packs, parce que bon, qu'on vous l'a dit, c'est un free to play, mais il existe des packs hein, comme dans la plupart des free to play, des star packs qui vous permettent de partir avec une meilleure arme, une nouvelle combinaison, etc. Tout classique, hein. Rien d'exceptionnel. Donc voilà, non, ça on la défonce, ça va pas nous aider. Oh, on va se mettre en vue TPS, ça sera un peu mieux. Voilà, si je fais un clic droit dessus, ça fonctionne pas. Ça fonctionne que pour le loot, donc non, il faut vraiment faire comme ça. Comme ça. Je pense pas qu'en utilisant notre pistolet, ça va nous aider. Mais ici, apparemment, il y a un truc à faire. Voilà, faut simplement replacer la batterie. Et on gagne un level pour ça. C'est ça. Hein. Ou sinon, c'est simplement la mission qui a été compliquée, en fait. D'accord. Ah ouais, cette animation-là, c'est que simplement pour la mission.
Il me semblait que c'était pour le fait d'avoir pris un niveau. On a trouvé un truc dans le sac, New Mission Received, Mission from Yoshida. On a d'en recevoir un message de Yoshida. Comment on fait pour le lire? Report to Paul Reinhardt, faut aller voir vraiment Paul. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est bien ça, il est pas loin en plus. Oh, j'apprécie bien moi ce petit jeu pour l'instant. Voir ce que ça donne après au niveau du craft et au niveau du PVP aussi peut-être. Même si c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus sur ce jeu. Ouais, j'appuie sur. Ah ouais, c'est vrai. Première, on appuie une fois pour marcher, une deuxième fois pour courir. D'accord. Oh, le gameplay simple, hein. Ce que je suis pas vraiment encore habitué, mais ça va venir très vite. Tourelle de défense, ok. Est-ce qu'on peut prendre ça? Mince. Ouais, je dis ça, mais je viens de me tromper encore. Non, bon. Hop, on va te parler. On évite de te tirer dessus. Ah, ça a l'air d'être une trousse de soins. Et un chargeur encore. Universel. Donc ça c'est cool apparemment. C'est juste des batteries et peu importe le pistolet laser. Ça fonctionne. Peut-être qu'après il y a des batteries plus puissantes que d'autres qui permettent d'avoir un feu. Enfin une puissance de feu accrue. C'est possible. Et c'est un joueur. Ouais, The Killer. C'est bien ça directement. On l'a croisé dans la zone de tutoriel. On l'en croise directement ici. Moi qui pensais que c'était pas très fréquenté, ça va. J'ai vu pire. Il y a des jeux qui paraissaient tout l'inverse. Les vidéos, enfin, où il y a mal d'explications à leur sujet, mais pendant enfin, le moment que j'ai testé ou autre, parfois il n'y avait personne. Ou même sur Tezo, hein, parfois. Y a personne tout court. Enfin personne, je peux comprendre. C'est l'équivalent de plus ou moins de là quoi. Pour un free to play, savoir qu'il y a quelques personnes. C'est quand même. Preuve que ça fonctionne. Une preuve, pardon. Donc là c'est du nouveau monstre, pas mal de dire des petits je sais pas trop quoi mais ça va. Une sorte d'alien. Si on est sur une planète extraterrestre, on va pas trop. On va pas tomber sur des créatures terrestres j'imagine. Donc c'est cool, on prend du niveau. Ils sont plus costauds hein. Je vois pourquoi il nous a passé une trousse de soins. Je vais pas tarder à courir en arrière si ça continue. On va essayer de se le faire lui, après on va se calmer un peu. On va attendre que ça remonte, parce que je vois que la vie descend sacrément là. Voilà. On doit aller là-bas en plus, on n'a pas vraiment besoin de se battre avec eux. Mais je vais attendre un petit peu. Est-ce que la vie remonte ou est-ce qu'il faut vraiment utiliser un truc? Ou est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il y a un petit côté survival je crois, enfin... entre guillemets, enfin découverte, aventure, craft, survie, enfin il y a un petit peu de tout mélangé. Hein. RPG bien sûr. Avant tout j'imagine. Après tout dépend du... ben, de l'idée de... des personnages, j'imagine qu'il y a plusieurs classes, plusieurs trucs, mais là on va dire, j'en sais trop rien. On va aider des luttes même, comme on peut. On sait qu'ils sont un peu gênants. Ouais, je vais le laisser se débrouiller pour une fois parce que je vois que j'ai vu lui. Puis c'est moi qui l'a poursuivi après. Ok, mais prendre le loot tout de même. J'imagine qu'il y a assez de loot pour deux. Hein. C'est le genre de truc où ça se partage. On peut pas le ramasser. Il est dans l'eau.
Peut-être qu'il n'a pas voulu, il a rien noté cette fois-ci. Donc on doit aller là. Bon, maintenant qu'on est là, on va y aller quand même. On va pas là, se cacher 3 heures. On va finir avec ça le plus tôt possible. Surtout que j'ai une trousse de soins, mais moi c'est mon côté économe. J'attends de mourir avant d'utiliser tous les coups. Non, mais ça serait bien de la garder. J'imagine que pas mal de dangers nous attendent. Donc ouais, tout simplement ça, non? Operate, voilà. Retire the sample. Oups, j'ai pris les dégâts. Et maintenant, voilà, en fait, c'est ça. D'accord, c'est pour ça qu'elle a donné une trousse de soins, c'est parce que la mission, enfin, ce qui nous a... Ce qu'on devait faire. Équipe. Presse E pour l'utiliser maintenant, d'accord. Ok, la mission est faite, mais on n'a pas repris de la vie encore. On va le faire de suite. Ok, c'est pas mal en tout cas. Ok, je comprends pourquoi ils avaient passé ça, on était obligé de la prendre. Ça faisait partie de la quête, plus ou moins. Même si on pouvait la garder, sûrement. Tant pis, on l'a utilisé. On n'a pas gagné beaucoup quand même, hein. Je pensais en mettre à fond, mais même pas. Alors peut-être que c'est utilisable plusieurs fois, ça serait bien. Je l'ai encore dans les mains, ouais, c'est ce que je viens de voir. On va d'ailleurs reprendre notre pistolet quand même. Donc si c'est utilisable plusieurs fois, par contre, même si ça ne met pas beaucoup de vie, peut-être que ça s'améliorerait de le faire à mesure. Donc on a fini notre quête, j'imagine qu'il faut aller leur parler, non? Pas non. On doit aller au camp Amundsen. On va y aller. Moi bon, j'ai l'impression que la vie regarde un petit tout de même. Barre par barre quoi, minute par minute peut-être. Par contre on court beaucoup moins vite, j'ai l'impression, une fois qu'on est un petit peu entamé au niveau de la santé. Parce que déjà qu'on va pas très vite, là j'ai l'impression qu'on vit sur place par rapport à tout à l'heure. Ok. En TPS, ça revient même. Oh! Encore plus dangereux ici. Donc ça semble vraiment intéressant, hein. Je pense que je vais revenir de suite. Comme si je vais pas faire une trop longue vidéo pour la première, là je vais arrêter. Une fois arrivé au camp. Omensen. J'ai envie de me faire celui-là. C'est le level 3, ok. Lui c'était un combien? Level 1, et l'autre là c'était un level 2. Alors, on va éviter alors. Si on passe à côté. En mode cool. Ce qui charge. Pas l'impression. En tout cas, c'est un mini mammouth, on dirait. Quand même assez intrigué par moi. Je viens en paix. C'est pas mal, parce que direct dès le début, c'est quand même... C'est pas trop facile, quoi, ça va. Ah, ça change assez rapidement aussi. On sort d'une grotte pour arriver dans une espèce de forêt un peu nordique avec des mammouths et des espèces de longs coups, je sais plus comment on appelle ça en termes de dinosaures, mais là on peut voir en face, j'ai vu que ça changeait un petit peu, il y avait l'espèce de champignons géants. On verra bien. Ah si. C'est bon, lui est revenu, mais par contre on n'a pas de roulade, je crois pas. Hein. Donc là on va continuer tous les coups qui va nous mettre, mais probablement la bégaye, tant mieux. Faut juste éviter de rester bloqué. Donc j'essaie de faire un cercle sans trop tourner pour qu'on puisse se toucher quand même, pardon. Ben, ça va, c'est plus facile que je pensais. Il est moins coriace que le petit. En tout cas moins gênant. Et hop. Apparemment c'était d'autres munitions là. C'était pas la même couleur, c'était pas verte, c'était jaune. Meilleure catégorie, enfin de meilleure diminution de level 2 quoi, on va dire, hein, pour faire simple, qui permettent de faire plus de dégâts. Ah, est-ce qu'on peut prendre ça? Ah mais c'est de la bombe en plus, si on peut récupérer des trucs partout comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on peut les prendre. Pick up. Ah bah je vais me régaler dans ce jeu là. Exploration, bon là en plus on est dans la zone de début, mais j'imagine qu'après il y aura ça un peu partout quoi. Nouveau gun. Pas besoin d'aller très loin, ça va très très vite. Je pensais pas. Mais là, tout à l'heure je suis vraiment plus qu'agréablement surpris. Pour le moment je ne peux que vous le conseiller. Comme je vous dis, c'est un free to play. Il y a juste 6 Go à télécharger. Hein. C'est tout ce que vous avez à faire pour pouvoir y jouer. Wow. Et après on va voir au niveau de l'inventaire, parce que là j'ai quand même pris pas mal de trucs.
si on voit qu'il y en a encore plus de la moitié de libre, c'est quand même de quoi faire. Là, c'est des shrapnel. On peut pas les prendre. Ça me paraît bizarre, ça. Je refuse. Item info, copie item link, place item au du clipboard chat link. Hein? Mais quel intérêt? C'est quoi? C'est pour dire à quelqu'un qui a ça ici? Pick-up, ah ouais, j'ai pas vu qu'il y avait écrit pick-up tout simplement. Apparemment, on peut dire à des gens qu'il y a des trucs, enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais ça a l'air assez poussé, hein. Le côté mémo a l'air assez étendu. Là, je trouve plus pick-up par contre. C'est que je suis pas vraiment sur shrapnel, je crois. Je suis sur le sol. Ok, c'est pour indiquer une position, ouais, les alliés, pour dire rejoignez-moi ici. C'est pas mal ça. Ce que je disais par rapport à tout à l'heure là. Je viens de comprendre l'utilité. C'est que je me croyais sur l'objet, mais j'étais simplement sur le sol. Donc on a tout nettoyé ici, tout pris ici. Fais de même, hein. N'hésite pas, mets-toi bien. Donc on va s'équiper. Et on va se venger sur eux là. Sur les petits surtout. Hop. Équipe. Alors j'ai pas regardé, mais ça m'a l'air d'être les mêmes, hein. Solomat Rubio. Rubio, bon, voilà, comme ça. Alors, on a à peine 14 kilos de prix sur 150. Donc là, ça change ça a l'air cool. Au niveau de la gestion de l'inventaire, on n'est pas stressé du fait qu'il faut gérer tous les 3-4 matins dès qu'on prend un objet. Donc on va essayer ça sur lui là. 2 d'entrée déjà. 2,4 même. Après, faut pas s'attendre à du dynamisme de fou, hein. Ça reste un MMO. Mais ça reste quand même assez correct. On peut jouer en FPS, TPS. N'importe où du coup. 1v1, 1v1. Je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. Bon, je vais chercher les petits là vite fait. Par contre, j'avance pas, j'ai l'impression. Hein. Ça, c'est un petit défaut peut-être. Mais c'est. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y ait des véhicules, j'imagine. Mais il n'y a pas de sprint quoi. Peut-être que ça s'acquiert avec l'expérience. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs. J'ai dû en profiter pour essayer de suivre le mouvement. Essayer de les suivre et puis faire des buts en plusieurs, c'est vrai que c'est toujours le petit côté sympathique qu'on peut retrouver que dans les mémos d'ailleurs. Après j'imagine que c'est mieux d'avoir un clan, etc. Hein, bien sûr. Mais je pense qu'on peut faire du coop sauvage comme on dit. Donc là c'est beaucoup plus facile. À peu près deux fois plus rapide j'imagine. Ouais, chargeur bleu. Ouais, c'est pour des munitions un peu plus coriaces. C'est bien ça. Ok, je comprends comment le système, du moins je commence à me faire mon idée. Et au niveau des performances, comme tout à l'heure ce que je me disais, bah, j'ai pas ressenti une seule chute de framerate. Ça a l'air cool en termes de ce niveau-là, vu que j'ai rien touché. On était en height, donc j'imagine qu'on est. Par excité par défaut quoi, j'ai rien touché, le plus ni le moins, donc ça m'a pas l'air gourmand quoi. Pour faire bref. Ça a l'air raisonnable vu que c'est quand même assez joli. Par contre c'est un peu gênant qu'à chaque fois. Bon, on m'envoie ce qu'on ramasse. Mais il faut la fermer à chaque fois manuellement. Parce qu'il y a un raccourci, mais bon tant pis. Donc voilà. On va aller talk à l'Oron Lord. On bute en lui. Par plaisir et on va s'arrêter ici pour ce petit premier épisode sur j'ai oublié le nom, c'est une en fait de nom à la base la première version sortie en 2003, après il y a une seconde version sur sortie en 2010 et là on va avoir plus ou moins la troisième version qui a été on va dire fin 2016 quoi. Grosso modo. J'avais vu quelques vidéos, au début c'était pas les premiers monstres. C'était pas comme ça en fait, plutôt. Enfin, les premiers monstres n'étaient pas les mêmes. Excusez-moi. C'était des mammouths géants. Là on en a vu des petits, mais c'était vraiment pas les mêmes en plus. C'était quand même assez différent de ce que j'en ai vu. Ce que j'avais pu voir du jeu. Et même ça avait l'air un peu moins joli, peut-être un peu moins bien travaillé au niveau des
Ce sont les couleurs. Ah mais c'est que c'est un joueur, merde. J'ai cru que c'était un PNJ. Je vois ça derrière, c'est pour ça. Confusion, confusion. Bon, allez. Ça me fait penser aussi un petit peu à Firefall. Voilà. Désolé, j'ai mis un petit peu de temps à me rappeler, mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué. J'avais fait un personnage juste au moins jusqu'au level 22 ou 25, je crois. Enfin, j'avais joué quand même pas mal d'heures. Donc on a gagné les premières vraies monnaies, j'imagine. Ah, ça sert pour... Ouais. Même si c'est... C'est des essences, monnaie, énergie, pour l'instant ce que j'ai pu en comprendre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, on peut acheter des trucs, ça c'est cool. Acheter des trucs. Ouais. Ce qui est normal. On peut les. Ouais, enfin oui. Les crafter aussi, tout ça, enfin bref. Oui. Choose opérette, UI interface, paye trade terminal. Apparemment on peut soi-même en faire et en vendre. Parce que là, ce que j'ai pu voir, c'était dans la première version du jeu. Et... Je vais pas dire de bêtises, mais apparemment il y en avait certains qui avaient réussi et carrément gagné du jeu avec l'argent. Du jeu, de l'argent avec le jeu, ça y est bon. Va falloir arrêter de jouer là je pense. Donc 1 PED égale 100 PEC. Project Entropia Dollar. Comment je fais pour en avoir? Ok, on peut en avoir de deux façons. En achetant, je pense, j'imagine directement. Il y a le mini-commerce, quoi. Ou... travailler pour les colonistes. Ok, donc jusqu'ici tout va bien, hein. C'est pas plus pas plus différent qu'un autre free to play. Donc on en a trois, enfin je sais pas trop là. Bon allez, hop, on accélère un peu. Voilà ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour le PVP. Ah, c'est un bandage. Le PVP, ouais, faut voir pourquoi pas. Si j'ai bien compris, en tout cas, ça m'a l'air d'être ça. Est-ce qu'on peut te prendre tes trucs, toi, qui sont là, qui traînent là, parce que ça peut servir. Hein. C'est pas laisser des trucs comme ça, ça peut nous servir. Nous, on va se servir justement. Non, apparemment, c'est fini. Donc, le terminal qu'à nous parler, c'est ça. Et donc, là, on peut commencer à interagir avec le commerce. Bon, on va regarder, hein. Ça sera déjà ça. Ammunition. Ok. 1000 PED. Et moi, combien j'en ai? 0. D'accord. Est-ce que je peux vendre des trucs? Ok. Donc j'imagine que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Récoltant des trucs, etc. On les vend au marché. Ou on craft des trucs avec pour les revendre par derrière, etc. Et ainsi, on s'achète des nouveaux costumes. Dans le commerce fait par d'autres joueurs, enfin voilà, c'est un cercle vicieux, ça va être pas trop mal, on verra bien, ça j'en suis pas trop sûr, mais bon, voilà, j'ai rien acheté, j'ai pas de sous, à moins que je puisse en vendre, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? J'ai pas envie de vendre n'importe quoi, je vais garder tout ce que j'ai trouvé en termes d'armes déjà, c'est clair, qu'est-ce que c'est que ça? Ça vaut à peu près 1,5 PED, un peu moins. J'ai aucune idée de ce que c'est, je vais le garder. Sa merde est une foreuse. Ça c'est tout ce qui est utilitaire, donc je vais les garder aussi. Peut-être vendre plutôt les os là. Mission item. Ah non, on va le garder donc. Minerai. De l'huile. Ça se vend combien ça?
0,10. D'accord. Mais j'imagine que ça peut servir aussi pour le craft. Donc c'est ça aussi le truc, c'est savoir quoi garder, quoi vendre. Bon, pour le moment, je vois pas ce que je peux m'acheter vu que le jeu est assez généreux, vu que c'est le début. On verra par la suite, vu qu'on n'est pas restreint au niveau du... Comment dire? De la place dans l'inventaire. On va garder nos trucs. On va lui parler à elle parce qu'apparemment on a encore un truc à lui dire avec un point d'interrogation. À moins que ce soit l'aide, tout simplement. Ça a bugué, on va recommencer. Ça n'a pas bugué, c'est que c'est une aide, mais comme là j'ai déjà parlé, apparemment c'est plus disponible, enfin, je sais pas trop. On va sortir, hein, bien voir. C'était assez clair tout à l'heure, ça. Find the trade terminal, ça fait sell the hide. Ah ok. J'ai quand même des trucs à vendre. C'est les os. Voilà. Objet de mission. Il faut les vendre. Ça se vend. Ok. Bah c'est cool. Hold up. Oh les mains. Lève tes mains. C'est pour attraper l'erreur. Allez hop. On va vendre nos trucs. Nos os là. Aïe, ah, c'est bien ça. Hein. Attendez. Non, c'était pas ça, c'est ça. Le bandage plutôt. Oui. Alors on va le vendre. Drop. Sell. Do you want? Ouais, on va gagner 0,1 centime quoi. Enfin 1 centime plutôt. Allez hop, c'est parti. 1 centime de PCD. De PED, pardon. Enfin ouais, on va essayer de s'y retrouver, ça va pas être évident au début. Maintenant, il faut analyser l'échantillon. Ah, je pense pas que ce soit ici. Quoique, il y a ça à côté. Ah non, c'est un truc d'aide encore. Ouais, j'en ai grandement besoin. J'appuie sur E, c'est tellement vraiment l'habitude d'appuyer sur E dans quasiment tous les jeux pour interagir avec son environnement. Ok, c'est l'aide, c'est cool, on y reviendra une autre fois. Je ferai ça en ligne parce que c'est vrai, enfin, hors capture. J'essaierai de me renseigner un peu davantage. Je pense qu'on va y revenir ici, j'imagine. C'est la zone de début. Donc on a un truc à analyser. Baissant cinétique masse. La prochaine. On doit analyser l'échantillon et vendre sans synthétique mind essence. Donc j'imagine qu'il faut aller crafter, enfin miner, tout ça. C'est ce qu'on va faire par la suite. Donc comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et bonjour à tous, et vous inquiétez pas, je vous mettrai plus d'informations sur le jeu, les liens, etc. dans la description, comme d'habitude. Donc pour rappel, hein, faites ou play, Sandbox, aventure, enfin RPG bien sûr, Sandbox, et découverte, quoi. Enfin voilà, un bon petit mélange, je préfère vous mettre tout en description, ce sera plus facile. Et plus lisible surtout et plus compréhensible du moins. Donc allez, bon jeu à tous et ciao.